Salut tout le monde, c'est Miros et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Let's Play, enfin Playthrough non commenté qui a un épisode commenté, Sonic Battle, et on va donc, la dernière fois on avait combattu Knuckles et d'ailleurs j'avais gagné de justesse. Et donc là on va aller dans sa maison puisqu'il nous a dit qu'il allait chercher l'émeraude tout simplement, donc on va aller à la maison de Knuckles. Tu vois, je te l'avais dit, si seulement t'écoutais quand je te parle. C'est quoi ce truc, Sonic? Aucune idée. Tu ne mourras pas, Sonic. Sans rire, Knuckles, on n'en a aucune idée. On sait seulement qu'il fonctionne au Chaos Emerald. Et que Eggman essaie de se l'accaparer. Sans parler de Shadow et Rouge. Si Eggman et cette chauve-souris voleuse sont impliqués, il doit se tramer quelque chose. Enfin bref, merci de nous prêter ta Chaos Emerald. Les techniques d'Emerald s'améliorent avec les Chaos Emerald. Si tu le dis. Ah, j'ai oublié de couper Skype, excusez-moi. Donc je vais faire ça maintenant, tout de suite. Hop. Voilà. Deux petites secondes. Ah oui, d'accord. Attendez. Excusez-moi. Hein. Insérons la Chaos Emerald dans ton système, Emerald. Tadam. Les points d'aptitude ont augmenté de 10. Alors faut que je vous parle un petit peu de gameplay aussi après, parce que bon, si c'est pas commenté, vous voyez pas forcément, enfin vous comprenez pas forcément le système de gameplay. Donc merci Sonic. Et Merle a parlé. Il parlera de mieux en mieux et sera de plus en plus puissant chaque fois qu'on lui donnera une autre Chaos Emerald. Sonic, métal. Bataille, on a compris. Et Merle, tu... Quoi, et Merle, tu quoi? Ok. C'est la fin du scénario de Sonic. Bon, bah du coup, je vous laisse le générique. Et comme je vous ai dit dans l'annonce, j'ai fait des intros pour chaque personnage. Donc après le générique de Sonic, et ben petite ellipse et je vous mets l'intro du prochain personnage. Je sais pas qui c'est. Je pense que ce sera Tails. Oh quoi que non, on va peut-être pas continuer sur un scénario là du coup. Nouvel épisode disponible. Ok. Hop. Alors. Je vais faire une save state. Parce qu'en fait, le jeu ne sauvegarde étrangement pas à chaque fois. Donc, bon. Alors, parlons un petit peu gameplay. Alors, moi, je suis Sonic et je vais jouer contre Emerle. Ne rien faire. Et puis, on va mettre... je sais pas, mais qu'est-ce qu'on va mettre? Admettons Tails Lab. Donc niveau gameplay, nous avons donc des coups simples comme ça. Donc on peut faire un combo de 4 coups qui termine par une heavy attack comme ça, qui fait forcément de plus gros dégâts. Et puis on a aussi la upper attack comme ça, voilà. Donc combo, c'est la touche B sur votre Game Boy Advance. Donc vous appuyez 4 fois sur la touche B. Et vous faites un combo tout simplement. Si vous appuyez sur A, vous sautez. Si vous appuyez sur A puis B, vous faites une attaque aérienne. Ah oui, on a aussi les attaques spéciales. Donc ça, c'est la touche R sur votre Game Boy. Donc au début du combat, hein, vous l'avez certainement vu, j'ai choisi entre 3 critères. Donc j'ai pris en aérien la bombe, le troisième. Non, en sol, pardon, la bombe. Et en aérien, j'ai choisi le truc de gauche, je sais pas c'est quoi. Bref. Et donc, ça fait cette petite vague d'énergie. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, avec Sonic, enfin, en général, tous les personnages, ou presque, ont une deuxième action dans les airs. Donc, si vous appuyez deux fois sur la touche A, avec, par exemple, avec Sonic, vous faites une homing attack. Qui va vous permettre de vous enfuir. Et si vous appuyez deux fois sur une touche, comme là, hop,
Voilà, vous faites une petite projection. Vous l'avez vu dans le combat contre Knuckles avec avec Emerle. Bon, je suis encore aux statistiques de base. Donc bon, il est pas très puissant et donc il n'a pas encore appris beaucoup de compétences, tout simplement parce que les points d'aptitude qu'on gagne à chaque fin de combat, par exemple des fois vous voyez les points d'aptitude ont augmenté de 5, ça veut dire que j'ai gagné un combat sans me faire toucher. Les points d'aptitude ont augmenté de 2, ça veut dire que je ne suis jamais mort, mais que j'ai pris des dégâts. Et les points de compétence ont augmenté de 1, bah ça c'est que je suis mort au moins une fois. Et les points de compétence ont augmenté de 10, les points d'aptitude pardon ont augmenté de 10, ça c'est quand on donne une émeraude du chaos à Emerle. Donc voilà. On va peut-être le tuer. Ah oui, il y a ça aussi niveau gameplay. C'est quand on fait un combat, voilà, on projette l'ennemi et on peut le poursuivre dans les airs. Et avec du timing, et ben, on peut lui faire une attaque très puissante. Donc aussi le dash, on peut le transformer en attaque, comme ça, voilà. Il suffit de faire le dash et d'appuyer sur B. Et puis voilà. Donc je pense que niveau gameplay, c'est tout. Donc on va quitter ceci. Hop. Puis bon, écoutez, puisqu'on a un peu de temps, on va aller dans le battle mode. Battle mode, pardon. Bataille seule, ouais. Alors, je vais prendre. Je sais pas qui je vais prendre. Ouais, on a beaucoup de personnages. Bah, je vais prendre Sonic. Hop. Attendez. Il y a des règles. Donc, en KO, donc on va faire en 5 KO. Tag, on va mettre on. Attaque alliée, non. Intervalle, ouais, ça c'est le temps qu'on met pour choisir nos trucs. Et comme moyen, allez hop. Hop, voilà. Donc, Sonic en team bleu. Tails. Tails, on va le mettre en team bleu aussi. Et là, on va mettre rouge en team rouge. Et Shadow en team rouge. Puis on va faire un petit combat. Donc voilà, là c'est là où on choisit nos attaques. Donc vous avez l'attaque shot. Avec Sonic, bon bah voilà, vous avez vu de nombreuses fois, c'est le rayon d'énergie. Là, au sol, on balance un anneau et ensuite on le rejoint. C'est très similaire à dans Sonic 2006, je crois qu'il y a une gemme qui fait cet effet-là. Enfin, je sais pas si c'est lancer un anneau, mais non, ça lance la gemme et ensuite ça rejoint la gemme, voilà. Et on a le 7, donc ça c'est poser une bombe. Donc je vais prendre 7 en sol. Donc ensuite, on a le shot, bon ça je le fais tout le temps. Là par contre je sais pas, donc si vous regardez avec Emerle, quand je faisais des attaques, en fait je mitraillais le bouton R vers la fin du combat contre Knuckles. Quand j'étais dans le coin là, et donc je faisais la première attaque là, la shot au sol, et ensuite je faisais la power dans les airs, donc ça lui faisait des gros dégâts. Donc bon, je vais prendre comme d'habitude, et puis bah du coup, allons-y, on va se friter contre Shadow et Rouge. Ok, elle m'a esquivé mes deux attaques, j'ai l'impression. Ah non, c'est bon. Donc voilà, là c'est la première équipe je crois à 5. Donc bon, ça devrait être plutôt rapide. Je sais pas si Emerle va apprendre des techniques ou pas. Je ne pense pas. Puisqu'il n'est pas dans le combat tout simplement. Hein. Hop. Alors, je sais pas si on peut faire gagner des points d'aptitude à Emerle quand on n'est pas en mode histoire. C'est à vérifier. Cool là. Il fait des gros bobos, Shadow. Ah, là, je l'ai raté. Dommage. Hop. Allez, on va le finir. Voilà, j'ai gagné. Enfin, on a gagné, puisque Tails a fait un kill aussi. Voilà. Bon, bah voilà, c'était tout. Bon, quittons. Et puisqu'on a encore 10 minutes avant nous, bah écoutez, petite ellipse. Et re tout le monde. Donc on va maintenant se faire l'histoire de Tails. Donc on va commencer tout de suite.
Eh merde! Allons jouer du côté de la plage. Je vais t'apprendre des techniques secrètes. Jouer, jouer. Sonic va encore à la plage avec Emerald. Nous ne connaissons pas encore très bien Emerald, mais je suppose que ça ne change pas grand-chose pour Sonic. Il s'est passé quelque chose d'étrange quand nous avons inséré la Chaos Emerald dans le système d'Emerald. Mais je ne peux pas poursuivre mes recherches car l'ordinateur de mon labo est cassé. Attends, je peux faire la recherche au labo central. Je dois me dépêcher. Je me demande si Emerald est à la plage. Bah oui, parce que Sonic vient de l'emmener, patate. Alors, est-ce que je peux aller dans les techniques des merles? Oui! Alors, Run, bon, on n'a pas besoin de lui mettre quoi que ce soit. Donc là, c'est les trucs d'édite, hein, des personnages. Voilà, hein. Rien de bien compliqué. Alors là, je vais mettre ça, voilà. Donc le heal, hein, qui nous permet de nous soigner. Ça, j'ai oublié de vous le montrer, tiens. Ah, putain, je peux toujours pas mettre d'attaque comme ça. Tant pis, à la limite faudrait que j'enlève quelque chose. Est-ce que j'enlève mon jump? Allez, j'enlève mon jump. Et je vais mettre hop, le Sonic Kick. Voilà. Et on va aller à la plage. Sonic, nous devons amener Emerald au labo central. Quoi? On commençait juste à s'échauffer. À s'échauffer, à s'échauffer. Oh, viens jouer avec nous un petit moment. Comme d'habitude, celui qui obtient 10 KO a gagné. Prêt? Oui, je suis prêt. Donc je vais prendre ça, ça et ça. Voilà. Donc le troisième truc qu'on choisit, hein, c'est pas une attaque aérienne ni au sol. C'est tout simplement ce qui va... ce qui va nous défendre. Ok, bon, Tails, tu sautes pas très haut. Du coup... Hop. Mais il fait beaucoup de dégâts, hein, Tails, avec cette attaque là. Il balance des chouchous roquettes, ça c'est rigolo. C'est une référence à un autre jeu de Sega, hein. Pour ceux qui connaîtraient chouchous roquettes. C'est un jeu qui a pas eu énormément de succès, je crois. Hop, tiens, prends ça Sonic. Voilà, donc bon, le premier à 10 KO, hein. Classique. Hop! Merde, maintenant il se défend. Voilà, je peux même lui faire des dégâts aériens. Hop! Aïe, aïe, aïe! Hop! Ok, et puis le truc bien avec Tails, voilà, c'est qu'il peut faire ça. Il reste en l'air. Et puis il y reste longtemps, c'est ça le mieux. Que mon Tails peut voler grâce à ses queues. Et puis cette attaque lui permet d'aller un petit peu plus haut. Ok, là par contre je me suis fail. Ouch, là je vais prendre très cher. Bon, je vais sûrement gagner un seul point d'aptitude à la fin du coup. Puisque là je suis à deux doigts de crever. Oh putain. Non, esquive. Ah bah je suis mort, dommage. Donc on va reprendre, hop, les mêmes compétences. Mon Tails par rapport à Sonic, forcément, il est beaucoup plus lent. Ça paraît totalement logique, hein. Hop, hop. Ok, là par contre, je l'ai raté. Hop, allez. Merci. En général, les attaques shot, c'est les plus utiles, hein, en aérien. Puis surtout les attaques en bombe. Il est passé où, et merde. Il a disparu, ok. Et merde, a disparu. Ah, il est là. Je veux dire aussi, il se déplace très lentement. Alors du coup, il est assez dur à retrouver. Hop. Ok. Alors, il me manque plus que 2 KO à mettre. Tiens, allez, prenez ça les mecs. Hop, 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 et hop. Ah, raté. Je pensais l'achever. Mais non, j'ai fail. Voilà. J'ai tué Sonic en dommage collatéral, mais c'est pas grave. J'ai gagné la Tails Guard. Et le Windmill. Très bien, très bien.
Les points d'aptitude ont augmenté de 1. Hé, Sonic, il faut qu'on inspecte minutieusement Emerald. Il faut découvrir de quoi il est capable, car Eggman est à sa recherche. Nous devrions l'amener au labo central immédiatement. Ne t'inquiète pas tant, Tails. Sonic, allez, Sonic. Je l'y amènerai personnellement s'il le faut. Ok, ok, Tails. On va t'accompagner. Non, non, c'est bon, je peux amener Emerald tout seul. Allez, viens, Emerald, suis-moi. Emerald, allons-y. Hé, hey, Emerald, obéis à Tails. Obéis, obéis. Emerald, avance. Avance, avance. Je me demande si je peux y arriver sans Sonic. Le labo central est situé à l'est de la ville. C'est dans Central City. Suis-moi. Si tu veux t'entraîner, reviens me voir quand tu veux. Et la suite, ce sera pour le prochain épisode. Donc là, c'était une petite introduction. Je vous dis à bientôt. Bye bye et prenez soin de vous. C'était Miros.